Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV Fait sa culture. Au menu du jour, amour et légèreté avec l'opéra de Carmen. Et puis on continuera notre petit tour de découverte des ateliers d'artistes de la région. On ira plus précisément à Céligny aujourd'hui. Avec nous sur le plateau, deux invités, tous deux présidents de l'association des peintres et sculpteurs de la côte. Messieurs, bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. Cette année, vous fêtez donc les 25 ans de l'association. Comment ça s'annonce, cette exposition, cette SPRAC? Ben écoutez, c'est fabuleux, nous avons 20 artistes cette année, dont la plupart sont des nouveaux à cette manifestation, dont il y en a 3 ou 4 qui n'ont jamais exposé dans leur vie, et ce sera leur première expérience à montrer leurs œuvres au public. C'est fantastique. Un vent de fraîcheur, donc ça promet à découvrir d'ici quelques instants. Pour l'instant, retour avec l'opéra, après 10 représentations acclamées à l'Opéra des Nations. Le Grand Théâtre de Genève a investi le Rosé Concert Hall avec Carmen, une première et un défi pour la salle rouloise, pardon, qui n'était pas adaptée pour recevoir une telle production. Mais croyez-moi, la magie a bel et bien opéré. Ça a toujours été notre rêve d'avoir un opéra au Rosé Concerto, je crois, depuis qu'on a inauguré la salle il y a 4 ans. Et là, la conjonction de plusieurs événements ont fait qu'on a pu avoir Carmen dans la production du Grand Théâtre de Genève, et on en a été ravis, et ça valait le coup de relever ce challenge. Si je te prends garde à toi, prends garde à toi. Quand on a dit qu'on allait venir ici, on ne savait même pas encore ce que serait que le spectacle. Donc une fois qu'il a existé le spectacle, il a fallu revenir ici avec les équipes techniques, voir. Bon, la scène est plus petite, on n'a pas les mêmes conditions d'éclairage, on n'a pas, je dirais aussi, l'équipement qu'on a l'habitude d'avoir dans un théâtre normal. Donc il a fallu faire pas mal d'adaptations. On a surtout voulu montrer que c'était une œuvre où la légèreté côtoie, je dirais, le tragique. C'est aussi ça la raison pour laquelle, en 1875, cette œuvre a été mal accueillie, parce que personne n'a compris un opéra comique qui se finit tragiquement comme ça. Mais quand on regarde, il ne peut pas se finir autrement. Peut-être le premier opéra qui est vraiment espagnol. Et beaucoup de compositeurs français ont fait ça après, Ravel et Debussy. Mais cet opéra aussi a une grande combinaison de mélodies un peu populaires et aussi des airs un peu plus intimes. Souvent, on parle de femmes libérées et tout ça, mais ici, on n'a pas de femme libérée, on a une femme libre. C'est tout à fait autre chose. Et la femme libre, c'est Carmen. Et jusqu'au bout, elle le chante. C'est ce qu'elle veut. Et elle est en face d'un Don José qui, lui, veut la posséder, et il ne peut pas la posséder. Elle ne se laisse pas posséder. Et la seule façon qu'il a de la posséder, c'est de la tuer. C'est un rôle qui est terrifiant parce que tout le monde connaît Carmen. Même un public lambda qui n'est jamais allé à l'opéra connaît Carmen et donc a une vision de Carmen. Et en même temps, c'est que du bonheur, parce que la musique, parce que le personnage, parce que vocalement, tout. Donc c'est vraiment très dual comme sentiment vis-à-vis de la Carmen. C'est un personnage qui est vraiment double, qui est capable des plus grands élans de fureur, mais en même temps qui est très touchant, avec voilà, une forme de romantisme. Voilà, donc essayer de trouver cet équilibre et en même temps les moments d'explosion vocale, ben, voilà, en tant que ténor, s'éclater à les chanter voilà, avec beaucoup de joie et de bonheur quand il y a tout l'orchestre qui gronde, on est là, ah, on a la rage, ça c'est génial à faire. Pour moi, ce sont des émotions qui sont à vif. Donc de toute façon, des émotions comme ça, qui vont être pures, qui vont être très vives, vont être actuelles parce qu'on les a tous ressenties.
C'est la beauté de cette œuvre, c'est vraiment la pureté des émotions. L'Association des peintres et sculpteurs de la Côte fête cette année c'est son 25e anniversaire, on l'a dit. C'est donc un vent de fraîcheur qui soufflera pour l'exposition à voir à Grandchamp du 18 au 28 octobre. Donc des nouveautés encore, mais encore justement, Christian Camacher, quelles sont les nouveautés encore pour cette année? Des nouveautés, ben déjà les exposants. On a la possibilité d'avoir un magnifique renouvellement. Donc il y a seulement deux membres de notre association qui exposent sur les 20. Donc là aussi, de nouveaux artistes, hommes, femmes, peintres, sculpteurs, qui pour certains, pour la première fois, ou pour d'autres, ont déjà exposé quelques fois. Mais il y a une belle proportion de toutes premières fois cette année. Donc là aussi, l'association permet de présenter des peintres, artistes, hommes, femmes, qui ont peut-être pas l'opportunité de pouvoir exposer dans les cadres artistiques habituels. Mmh. Voilà. Mmh. Satch Brak, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement le but de votre association ? Le but de l'association, c'est d'ouvrir la porte à des gens qui n'ont pas la possibilité ou bien qui ont peur d'aller en galerie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de payer galerie, et aussi de payer les 40 ou 50% qu'ils demandent. Et puis, le but, c'est de faire connaître et puis de promouvoir la culture à Gland. Voilà le premier but de cette association. Donc là, on voit des images au fait de l'exposition de l'année dernière. Pour pouvoir présenter ces œuvres, il y a un comité justement de sélection qui choisit les œuvres. Quelles sont les caractéristiques auxquelles vous tenez en termes de gage de qualité pour choisir ces œuvres ? Tu veux répondre ? Oui, pourquoi pas. Mais déjà, il faut pas que notre sélection est faite pour que ce soit vraiment de la nouveauté. Voilà, on doit chaque année présenter des choses qu'on n'a pas vues la veille ou dans un autre cadre, ou dans une autre exposition. Donc là aussi, c'est d'avoir des peintres et sculpteurs qui sont... Mais quelque part, c'est un réel challenge. C'est difficile de s'innover à chaque fois quand on est artiste, quand on a parfois... Il faut réinventer l'expo chaque année. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez important. Donc bien sûr, la qualité. Mais non, ce qui est important, c'est de faire transparaître cette passion artistique que l'artiste met dans son œuvre. Donc là aussi, il faut la communiquer. Nous aussi, c'est notre passion, c'est de pouvoir montrer ces artistes. Donc il y a la passion, bien sûr, il y a l'excellence, il faut que ça plaise au comité, bien sûr. Et pour ça aussi, on a un comité qui est, c'est avec la parité homme-femme, avec des sensibilités différentes qui permettent de choisir des œuvres de qualité. Mais j'imagine que cette excellence, elle s'acquiert finalement pour un artiste aussi au fur et à mesure, au fil des années, Satch Brak, vous qui êtes artiste. Oui, écoutez, fil des années. C'est difficile à dire parce qu'il y a des gens qui produisent quasiment tout le temps la même chose. Et ça, une fois qu'on les a vus, par exemple à une expo ou bien chez nous, pour les re-inviter, il faudrait quand même qu'il y ait une évolution. Et c'est ça ce qu'on cherche aussi dans nos candidats. Ouais. Du point de vue artistique, justement, quelle évolution vous constatez aujourd'hui chez les artistes? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de créer et faire de l'art, finalement, aujourd'hui? Dans la peinture, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui incorporent plus de matière que du sable, la brume de noix, des trucs comme ça. Ça, c'est une nouvelle tendance que j'ai remarquée. Parce qu'autrement, avant, on peignait ou bien à l'aquarelle, ou bien à l'huile, ou bien à gouache, et c'était tout. Maintenant, on ajoute des trucs, on essaie de faire plus de volume, je trouve. Mm-hmm. Question Camacher, vous qui êtes aussi artiste, même si vous n'exposez pas cette année, comment est-ce que vous faites pour vous réinventer chaque année? Oula, une grande question. C'est...
Ah, l'artiste est plongé dans son laboratoire, sur sa toile, devant sa stèle de sculpture, et se réinventer, ben voilà, on crée. Donc créer, ça peut être nouveau, voilà, on crée avec la matière, mais aussi avec ce qu'on a dans nos têtes d'artistes. Et se réinventer, ben, c'est un travail qui évolue dans le temps. On a des gens qui sont tout jeunes, comme disait Satch tout à l'heure, qui n'ont jamais exposé, donc c'est la première fois qu'ils osent exposer. Donc eux, ils sont au début de leur parcours artistique. Et puis il y a des gens qui ont un certain âge, une patte, un savoir-faire. Et là aussi, le partager, c'est juste fabuleux. Pourquoi c'est important justement aujourd'hui, en tant qu'artiste, de partager ses œuvres avec une exposition, Satch Braak ? Pour eux, c'est comme une fleur qui s'éclose. On ne peut pas rester caché dans son appartement ou son atelier tout le temps. Je veux dire, ça fait très plaisir quand il y a des gens qui me disent « j'adore votre travail », par exemple. Moi, je trouve que ça, c'est fantastique. Un besoin de reconnaissance, finalement. Mais oui, absolument. C'est valorisant aussi de pouvoir se présenter avec une qualité d'exposition, surtout dans un cadre magnifique. Et puis de partager ensemble, ça, c'est aussi un des buts de cette association, c'est de pouvoir que les artistes communiquent entre eux et s'inspirent entre eux et partagent entre eux. Ça va du travail pur, donc de l'exposition, à des moments, des moments de convivialité, soirée spaghetti entre nous, pour partager. C'est ça qui est important. Avec le public, évidemment, avec les gens qui viennent voir cette exposition, mais surtout entre nous, de pouvoir, cette région regorge, c'est juste magnifique, c'est une, j'allais dire pouponnière, mais c'est un grand vivier d'artistes, et souvent, l'artiste reste dans son atelier, on dit toujours l'artiste du dimanche, pourquoi pas, on n'a pas que des professionnels, il y a des gens qui veulent en vivre, il y a des gens qui font ça juste pour hobby, mais bien sûr la qualité pour l'exposition c'est important qui nous rassemble, mais c'est le partage. Qualité, justement, elle est synonyme de professionnel ou pas du tout selon vous? Est-ce que justement on pourrait avoir des artistes de qualité qui sont l'artiste du dimanche comme vous dites? Exactement, on a de tout, absolument. Par contre, c'est vrai que c'est du travail. C'est pas, c'est autant que c'est du travail à préparer, à sélectionner, mais c'est au niveau de l'artiste, il y a un vrai travail qu'on présente. Et c'est là aussi, je pense, c'est un travail abouti. C'est aussi une des, dans le comité, on cherche toujours d'avoir quelque chose qui est abouti, qui est bien sûr plaisant, qui nous plaise au comité. Mais on ne serait pas sur une ébauche. On a exposé des très jeunes donc à l'école, qui sortaient de l'école des arts et tout ça. Et c'était du travail déjà abouti. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils avaient une maturité artistique importante. On sait qu'il y a un autre besoin chez les artistes aujourd'hui, c'est justement de trouver des ateliers. En termes d'association, est-ce que vous y réfléchissez pour proposer des ateliers aux artistes de la région, Satch Braak? Écoutez, c'est-à-dire que cette année, je fais partie d'un groupement d'artistes qui sont aux ateliers de la Côte. Oui. Et puis là, il y a un vrai vivier d'environ 70 artistes, dont j'ai puisé 3 qui vont exposer. Est-ce qu'il faut plus de lieux comme justement ces ateliers dans la région? Absolument, absolument. Pourquoi? C'est une nécessité. Il y a beaucoup de gens qui... Bon, d'abord, c'est très difficile de trouver un local pour faire du bruit ou de la poussière ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, ça manque, c'est clair. Aujourd'hui, dans le contexte quelque part difficile de la politique, on tend à resserrer justement les budgets culturels, faire appel justement du coup à encore plus de culture. Comment est-ce que vous la défendez, cette culture, auprès des politiciens, Christian Kamacher? Pourquoi elle est essentielle, cette culture, et puis finalement de faire vivre ces artistes dans la région? Je dirais que les artistes font partie de notre société, donc comme tout un chacun, et c'est important que l'artiste aille sa place dans notre société et puisse communiquer tout ce qu'il a dans ses tripes. Et voilà, je pense très souvent que l'artiste fait le demain. C'est dans les ateliers souvent qu'on peut aller chercher des tendances pour les futures grandes inventions de notre société. Voilà, c'est souvent là où ça naît. On parlait de bouillon de culture, mais de vivier. On prend souvent des termes
pour un, de laboratoire. Donc c'est là où, où tout se crée, voilà, souvent. Et on a besoin de faire la promotion de ces artistes. Donc le, je pense qu'au niveau politique, c'est quelque chose qui doit être entendu. Parce que ben, voilà, c'est demain, c'est aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on présente. Ouais, justement, ben, peut-être l'occasion de le découvrir du 18 au 28 octobre à Grandchamp. Merci, messieurs, et puis bonne suite à vous et à l'association. Merci à vous. Merci à vous. Vous le savez, j'ai d'ailleurs pour habitude de le dire, que les ateliers d'artistes sont des mondes enchanteurs et magiques. On vient justement d'en parler. Cette semaine, on vous le prouve une fois de plus avec le portrait de Véronique Bobetso, artiste céramiste à Cellini. Regardez. Donc au début, j'utilise que mes mains. J'ai toujours dans mes cours, le meilleur outil, c'est la main. Effectivement, après, j'ai toutes sortes d'outils pour faire des textures différentes. Il y a le travail, tout le travail de la couleur après, de la cuisson. C'est énorme, les gens ne se rendent pas compte de quand même toutes les étapes qu'il faut pour arriver au bout d'une sculpture. C'est beaucoup de temps finalement. Je suis quelqu'un de très, très tactile, hein, très... voilà, mes mains, c'est vraiment mon moyen d'expression. C'est vraiment, pour moi, c'est un outil de travail extraordinaire. Je me suis professionnalisée toute seule, en travaillant, en découvrant, en faisant quelques stages, évidemment, un petit peu à gauche et à droite. Mais c'est surtout l'expérience qui fait que, voilà, j'apprends beaucoup. Voilà. Donc là... Je travaille donc moi surtout avec un four à l'électricité. Donc là j'ai un four électrique. Ici j'ai un tout vieux four à gaz qui a plus de 100 ans. Je ne peux pas l'ouvrir là parce que c'est vraiment un vieux four pour travailler, faire des cuissons au gaz. Voilà. Alors ici on est dans l'atelier de mon père qui l'a construit lui-même il y a beaucoup d'années de ça. C'est là que j'ai commencé à créer, à bricoler dans cet espace qui est juste magnifique, qui est au bord de, dans la forêt, au bord du ruisseau. Il y a longtemps de ça, il y a peut-être 30 ans que j'ai commencé. À l'époque, ça marchait bien, beaucoup de plaisir, beaucoup de ventes aussi, c'était très chouette. Et puis d'année en année, je trouve que ça devient difficile. Et puis ma création aussi a évolué. Donc maintenant, c'est vrai que mon objectif actuel, c'est de me faire un petit peu connaître par d'autres biais. C'est une belle pièce quand j'arrive à être complètement centrée dans l'instant présent. Donc déjà que j'ai du temps devant moi pour pouvoir aller dans mon atelier. Et puis quand j'arrive à penser plus qu'à mes mains, à ma création et que l'inspiration vient naturellement, sans forcer. Les plus belles pièces que j'ai sorties, c'est vrai que c'est le reflet de grands moments, de solitude, mais pas solitude, parce que je suis connectée, je me sens connectée avec des forces créatrices. Et voilà, et effectivement, les pièces qui ressortent à la fin sont, pour moi, elles dégagent ce que j'ai voulu transmettre. C'est ma création de l'été, et c'est nouveau aussi pour moi, parce que j'ai fait un visage, enfin une esquisse de visage, ce qui est très difficile à faire. Jusqu'à présent, je faisais des personnages sans visage. Donc ça, c'est des pièces qui sont émaillées et je les recolle en fait après la cuisson. Voilà. Assez satisfaite de ce visage. Et pour terminer l'émission, l'agenda en partenariat avec Région de Nyon est réalisé avec l'aide d'Isaac Rodriguez. Vous êtes plutôt opéra ou théâtre ?
L'occasion de vous décider avec Figaro, une œuvre décapante qui vous emmène dans une confrontation hilarante entre chanteurs lyriques et comédiens. De Mozart à Beaumarchais, tous défendront leur art respectif pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Figaro à voir le 13 octobre à 20h30 au théâtre de Grandchamp à Gland. L'avant-première locale du film Sous les combles ouvre la nuit du court-métrage de Morges. Vendredi 12 octobre, dès 20h, le court-métrage sera présenté par son réalisateur Nicolas Rohrer en présence du producteur et de l'actrice principale. Enfin, retour au temps des Romains pendant les vacances d'automne. Du mardi 23 octobre au 26 octobre, plusieurs activités animeront le musée romain de Nyon, où petits et grands auront l'occasion de créer une mosaïque ou de s'habiller comme Jules César. Voilà, et on le rappelle, le 25e anniversaire de l'Association des peintres et sculpteurs de la Côte avec l'exposition à voir du 18 au 28 octobre au Théâtre de Grandchamp et un site internet pour toutes les informations. Christian Camacher vous fait peut-être nous le dire. Oui, www.arlan.ch. Voilà, pour les inscriptions aussi d'artistes, je crois que c'est là que ça se passe également. Exactement. Voilà, un formulaire en ligne. Magnifique entrée. On peut juste dire, venez, découvrez le site et inscrivez-vous, pourquoi pas. Voilà, pour une... l'appel est lancé. Merci messieurs, bonne suite à vous. Merci. Et quant à nous, vous le savez, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais d'ici deux semaines, semaine de vacances oblige, on ne va pas se plaindre. À très vite et pour plus de culture et d'aventure, vous le savez.